Salut à tous, c'est Nim, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit prank. Vous avez vu, j'ai pranké la salle avec GTA 6, hein, le faux GTA 6, le faux CD. Et bien cette fois-ci on va aller pranker les magasins. On va aller voir des magasins de jeux vidéo ou des magasins qui achètent des CD. Et tout simplement on va leur apporter une exclu mondiale. Après moi ce que je dis les gars, c'est minimum, je dis bien c'est minimum 300 balles voire 200 balles s'ils veulent me l'acheter. Ça vient directement de Los Angeles, hein, c'est lui direct. Avec moi si jamais la vente ne se fait pas, c'est mon acolyte, mon vendeur. Très bon vendeur, attention. Voilà, faites attention à lui, c'est un très bon vendeur. Il sait où amener le client. Voilà. On l'emmène vers des nouvelles saveurs, vers des saveurs de LA quoi. En tout cas les gars, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à me suivre sur TikTok, etc. N'hésitez pas. Et sur ce, on s'essaie dessus pour une vidéo. Donc on est parti pour la première victime. Tu connais Happy Cash, ils achètent tout. J'ai l'exclu mondial. Hein. Attention, c'est l'exclu mondial. C'est-à-dire que là, personne n'a. Même Rockstar ne l'a pas. C'est-à-dire que c'est moi, je l'ai avant tout le monde. Donc voilà, je vous dis, c'est du grand jeu, c'est du GTA 6. Moi, j'en demande plus de minimum 400 balles. Sinon, c'est mort. C'est du minimum. Hein. Acheter les jeux. Oui, bien sûr. Alors, sans jaquette, par contre. Compliqué. Non. Mais ouais, là, en fait, ce que je vous apporte, c'est... En fait, si vous préférez, j'ai un cousin qui habite à Los Angeles. Ouais. Donc là, on est clairement sur une exclue. Sur une exclue. Ouais. Ah ouais, c'est pas encore vu. Et par contre, moi, je vous demanderais minimum, vraiment, c'est le strict minimum, c'est 100 balles. 100 balles, on est d'accord, c'est bien 100 balles. C'est même... Je trouve que c'est gentil pour monsieur après. Parce que vraiment, c'est une exclure. Je sais pas si je peux en tirer quelque chose ou pas, vous me dites ce que vous en pensez. Il n'est pas encore sorti. Hein. Ouais. Un détail près, c'est que du coup, ça, c'est pas un vrai jeu. Ah bah si. Ah non, si. C'est un sticker qui est collé sur un CD. Non, parce que moi, j'ai acheté ça. Pas du tout. Je veux bien passer pour un débile. Là, c'est vraiment de la nouveauté. Là, c'est un jeu PS4 sur lequel on a collé un sticker PS4. Ouais, c'est GTA 6, hein. Vous êtes en forme. C'est GTA 6, hein. Il y a une caméra cachée. Ouais, je sais pas. GTA 6, c'est pour un compte TikTok ou il y a un truc. Il y a un truc. C'est obligé. Il m'a cramé direct. On est parti pour le deuxième magasin, la deuxième victime. Va-t-il y croire ou non? En tout cas, première victime, malheureusement, ça n'a pas marché. Je vais laisser mon collègue parler. Peut-être qu'il est meilleur vendeur que moi, je ne sais pas. Parce que là, on est sur quelque chose. Ouais, d'accord, ok. Je pense qu'on ne vous l'a encore jamais ramené, même je suis certain. Ok. Tu l'as acheté où déjà? Moi, je l'ai fait venir de Los Angeles. D'accord. Il faut savoir qu'il n'y a vraiment personne qui l'a encore. D'accord. Du coup, vous serez vraiment sur une exclu. Et du coup, c'est pour vous ramener GTA 6, tout simplement. Donc, c'est le premier exemplaire. Et il n'y a personne qui l'a encore. Alors, ça me semble tellement... Ah, mais non, mais nous, on travaille directement avec Rockstar, en fait. Non, parce que moi j'ai un contact là-bas. Ouais. Il n'est pas entièrement fini le jeu. Il faut savoir qu'il n'est pas entièrement fini. D'accord. Mais il y a plus de 85% du jeu qui est déjà fait. D'accord, ok. Et donc il me l'a sorti. Okay. Après, c'est minimum 500. Ouais, par contre, sur le tarif, moi je serai à 500 euros minimum. Il faudra savoir que c'est pas cher payé, je trouve, encore pour l'exclus que vous aurez. Non, mais c'est vrai que ça me semble. Comme si c'était une carte. Ouais, je sais, on dirait, ouais, c'est difficile à croire. Non, mais... non, rigole pas. Mais vas-y, bah, montre-lui. Je vous le montre. Mais un truc comme ça, si tu veux savoir, moi ça va être compliqué, je l'achète. Ça, il faut que tu ailles voir plus un Micromania ou un truc comme ça, tu vois. Ah ouais, à la Fnac. Ils achètent pas, ils vont mettre en exposition, tu vois, eux ça peut les intéresser. Je le voyais bien vraiment être au milieu de votre boutique avec des lumières dessus et tout. Dans vraiment... une petite boutique comme la mienne. Après, justement, vous pourriez avoir l'exclusivité. Après, vous avez l'exclu quoi. Mais je t'assure. En gros, là, si vous voulez, si vous préférez. Moi, je viens directement de... En fait, j'ai déjà un cousin, moi, qui habite à Los Angeles. OK. Ouais. Donc, c'est lui qui me l'a ramené directement. OK. Donc là, on part vraiment sur une exclue. Vas-y, on te voir. Non, mais vous rigolez, mais... Non, on te voir. Vous voulez voir? Bah oui, bah, si vous voulez que vous fassiez un truc. Mais faites attention, par contre, s'il vous plaît, quand ne le rayez pas, quoi. C'est FIFA 17. Quoi? Je peux prendre en photo? Ah oui, allez-y, allez-y, mais par contre, discret. Hein. C'est bien fait quand même, mais ça se voit que c'est pas. Ah, c'est non, c'est. En fait, moi je travaille directement avec Rockstar. Donc, on avance, en avant-première. Chez Cache Express. Revoyez votre discours quand même, parce que ça se voit que c'est du faux quand même. Hein. Ah non, moi je viens vous vendre ça directement à vous. Non. Bah, comment ça, je comprends pas. Mais ça se voit que c'est pas... Rien que là. Bah oui, c'est... Ça vous vendra après, personne, ça. Après, 200 euros... 200, 300 même. Bah 300, ça me va.
Au pire, on s'arrange, hein. Non, mais je reprends pas, c'est pas... Ça, vous avez collé une jaquette par-dessus, vous avez imprimé quelque chose. Bah, moi, en fait, quand j'ai acheté là-bas, je l'ai acheté directement comme ça, après, je sais pas... Vous l'avez acheté où? À Los Angeles directement. Ouais, ah, il est pas sorti le jeu, c'est compliqué, même à Los Angeles il est pas sorti. Ah, j'ai acheté dans un. Je sais pas si vous connaissez un peu les bases. C'est comme un Cash Express en fait, tout simplement. Ouais, d'occasion, ouais. Donc je l'ai eu à 100$. Ouais. Et je pense qu'en France, je peux vendre 200. Comme ça me rembourse au moins le billet d'avion, quoi. Ouais, bah, ouais. Vous êtes parti pour 100€ à Los Angeles, ça faudra que vous me donniez votre compagnie, moi j'y vais demain. Hein. Ah non, c'est. 100 c'est... balles. En fait, c'est du low cost. Ah ouais, mais c'est plus du low cost là. Vous après, je vous dis, quoi. C'est vraiment une excuse. Là ouais. Je pense que si vous mettez ça sur Facebook, vous faites un post Facebook. 500 balles, il part direct. Ah ouais, bah, je suis un poste. Ouais, je l'ai pris en photo parce que ça me fait rire, mais ça va être compliqué quoi. Hein. Vous voulez pas le prendre directement pour vous personnellement au pire? Non, mais là, je suis sûr qu'il y a FIFA 11 derrière. Enfin, franchement, revoyez le discours, mais c'est pas mal. C'est une caméra cachée, règle. D'accord, oh, c'est pas mal. Bon, et bah écoutez, vous avez pu voir. Troisième victime, ils étaient plutôt cool, franchement j'ai bien rigolé avec eux. Bah, après le but forcément c'est pas, voilà, on sait très bien que c'est faux et tout, mais le but c'est de rigoler. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. On passe maintenant à Micromania, on va tester si Micromania va y croire ou pas. Parce que là c'est l'excuse que j'ai, c'est l'excuse, c'est du minimum 200, je l'ai dit de toute façon. Je l'ai dit c'est minimum 200, sinon je vends pas. Donc si vous voulez les gars, je peux vous le vendre minimum 200. Et du coup ça sera la dernière scène, et ensuite on passera, voilà, comme je dis c'est un petit vlog, c'est un petit prank, c'est cool. T'en penses quoi? Moi je pense que c'était une bonne scène, bien rigolé, les vendeurs étaient sympas, voilà. Donc on va voir. En tout cas, s'il y a un abonné qui veut la jaquette, qui veut le jeu, qui veut le CD, c'est 250. Voilà. Un petit don et je te ramène ça chez toi, tranquillement. Voilà, direct. Bonjour. Bonjour. On voudrait savoir si vous achetez les jeux vidéo. Oui, bien sûr. Ouais, vous achetez ça? Okay. Donc là on revient de vacances en fait à Los Angeles. Et on a réussi à avoir une petite exclue, même une grosse exclue je pense, qui pourrait vous intéresser. Du coup on est venu dans une assez grande ancienne pour vous le proposer. Et du coup on a réussi à avoir un exemplaire de GTA 6, donc qui n'est pas fini à 100%, qui est fini à 85%. Mais on va donner acheter ça, vous savez, dans les... Sur une exclue quoi. Non, mais on l'a acheté dans les Didi ou on l'a acheté ça ou dans les Peter à LA direct. Ah ça vient d'LA direct. 100$. Ça vient de là. Bah vous trouvez quand même. Je vous le montre quand même, vous les visionnez. Ah, peut-être que votre collègue sera peut-être plus intéressé. Bonjour. Du coup, votre collègue n'avait pas l'air très intéressé, mais on vient à Los Angeles de vacances et on a réussi à attraper un GTA 6 fini à 85%. Une exclue, non, mais c'est une exclue. C'est une exclue. Hein. C'est le premier exemplaire en fait. C'est d'où les images ont leaké et on voulait vous le proposer du coup. Bah regardez vous-même. Hein. Non mais allez-y. Je regarderai pas. Non mais regardez. Je peux pas cautionner ça. Donc. Ah, vous cautionnez. Ah, bah comment ça? Vu le bordel que ça a fait sur un produit que tout le monde attend à ce moment-là, on se demande. Ah, mais allez-y. Vous voyez bien, c'est écrit GTA 6. Hein. Ouais, bah après, oui, je vois. Ouais. C'est le premier exemplaire. Ouais. C'est d'où ça a dit qu'on l'a réussi à avoir. Après, nous, ce qu'on vous propose, c'est soit vous venez directement une PS5. Ouais, ce sera une PS5. En échange. Ah mais là vous le mettez, vous enlevez votre télé, vous le mettez là, c'est le carton mondial. Soit au pire 500 en cash, comme vous voulez. Non, en cash on a dit 700 par contre. En cash on a dit 700, tu baisses pas les prix. Hein. On a dit 700 en cash. Ça, vous baladez avec ça, honnêtement, à moins de tomber sur le pigeon qui croit sur parole, ça vaut rien ce que vous avez là. Ah, bah vous avez c'est. Ah, mais. Un truc, en plus, dans une boîte comme ça, ça... Je comprends pas. C'est quand même une sacrée exclu. Moi, je pense c'est que vous négligez un peu notre exclu. C'est pas sérieux. Ah, oui, bah, je la néglige totalement. Vous avez pas une PS5 au pire, on peut tester sur une PS5 directement. Non. Je pense que le collègue, finalement, il y croit un peu plus. Ouais, je pense. Alors, par contre, on va arrêter le cinéma, par contre. Non, mais juste regardez. Sinon, c'est bon. Mais regardez. Voilà. Bah, regardez directement, vous verrez. Vous loupez l'affaire de l'année. Oui, bien sûr, certainement. Il loupe l'affaire de l'année. Au pire, je vous le donne directement comme ça. Pourquoi vous le vendez alors si vous avez l'affaire de l'année? Parce que nous, on y a déjà assez joué, ça y est, moi j'ai fini le jeu personnellement. J'ai déjà fini le jeu. Ouais, ça m'intéresse pas. Jules, ça, il m'intéressait pas alors aussi, je pense pas. Ah, vous êtes pas intéressé par GTA? Bon, bah. Ah, d'accord. En plus. Fallait nous le dire dès le début. Comment on fait? Comment? Bah, c'est pas grave. Voilà. Bon, malheureusement, on n'a pas d'acheteur pour GTA 6. Encore une fois, si jamais il y a des gens qui le veulent, GTA 6, vous me contactez sur Instagram en MP. Non, plus sérieusement, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Encore une fois, me suivre sur mon TikTok. On va envoyer des très très grosses vidéos sur TikTok, donc n'hésitez pas. En plus, en ce moment, vous kiffez. Il y a aussi des lives sur TikTok, il y a des lives partout. On est aussi sur YouTube. Sur ce, ciao, ciao.